Je suis Eric Dargent, je suis responsable de l'équipe RCAP, l'équipe internationale de recherche et de caractérisation des amorphes et des polymères. Cette équipe est l'ossature d'un nouveau département du GPM, système des ordonnées et polymères. Nous avons intégré le GPM au 1er janvier 2017. Nous sommes 5 enseignants-chercheurs, 3 personnels techniques, donc assistants ingénieurs, techniciens de support à la recherche. Et il y a au laboratoire une petite dizaine d'étudiants de doctorat, donc des étudiants qui préparent une thèse de doctorat en généralement 3 ans sur différents aspects de la recherche qui nous intéressent, donc que ce soit sur les phénomènes autour de la transition vitreuse, les matériaux amorphes, les matériaux semi-cristallins, les matériaux pour la pharmacie avec un autre laboratoire partenaire, des matériaux extrêmement complexes, multicouches avec un laboratoire partenaire à Paris. Donc, nous avons beaucoup de collaborations, des thèses partagées, on va dire, entre plusieurs laboratoires. Donc nous nous intéressons essentiellement aux matériaux polymères, mais plus généralement à tous les matériaux amorphes, les matériaux qui contiennent au moins une phase désordonnée. Donc ça peut être des matériaux plastiques, mais ça peut être aussi des composites, des biomatériaux, des molécules organiques, des verres inorganiques, etc., etc. Nous avons une forte spécificité sur tout ce qui est analyse thermique. On est un des premiers laboratoires en France, je dirais, au niveau du nombre d'appareillages en analyse thermique. Tout ce qui est analyse calorimétrique différentielle, à balayage, analyse diélectrique, analyse thermomécanique, etc., etc. La particularité de RCAP, c'est que nous avons une forte implication avec l'international. Avant d'être une équipe du GPM, nous étions un laboratoire, le CAP, et nous avions une collaboration avec l'Université du Nebraska-Lincoln. Donc RCAP et le département d'ingénierie de l'Université du Nebraska-Lincoln ont fondé un laboratoire commun qui perdure, et donc maintenant le GPM, un laboratoire commun avec cette université au Nebraska. Nous nous impliquons beaucoup aussi dans l'organisation et la gestion d'un master. Il s'appelle le Master Sciences de la Matière, Parcours Génie des Matériaux. Nous accueillons les étudiants pour des projets au sein du laboratoire, en général de recherche appliquée, donc avec les industriels qui sont des partenaires, donc des industriels de la région ou plus généralement des industriels français, sur des problématiques de recherche appliquée en recherche-développement autour des matériaux plastiques et matériaux polymères. Nous avons aussi beaucoup de contacts avec les États-Unis et le monde entier. Donc les étudiants de master partent en général en M2 pour faire des stages de recherche en laboratoire sur des thématiques qui nous impliquent aussi. Donc on continue à suivre les étudiants au cours de cette période de stage.